Il ne leur reste que quelques minutes pour embarquer dans le train des vacances. Ça va le faire. Parce que vous marchez vite quand même, là. Bah, il faut. Plus de place gare Montparnasse à bord des TGV, alors mieux vaut ne pas le rater. Surtout quand on a prévu son séjour de longue date. Enfin, après 4 mois d'attente. Par la mer, c'est bien. Oh, c'est le début des vacances qui s'annonce, quoi. Oublier les tracas de la vie citadine, c'est ce qu'attend impatiemment ce père de famille. Contexte politique, bah, y a les JO qui arrivent. Mine de rien, ça va rajouter un stress supplémentaire. Franchement, on dit pas non à fuir un petit peu la capitale. Hein. Les examens à peine passés, la pression retombe aussi pour ces lycéens en partance vers Biarritz. Moi, par exemple, j'ai passé le bac il y a 2 jours, ça me fait du bien là, de partir en vacances enfin. On attend les résultats. Si tout se passe bien, on reste, sinon on doit revenir pour les rattrapages. Non, mais... non, on aura notre bac, ça va aller. Comme eux, ils seront 1 200 000 à voyager par le rail ce week-end. D'autres ont choisi la voiture et sur la route des vacances, beaucoup veulent échapper à une météo capricieuse. C'est bien morose et il fait froid et ça change. C'est bien parti, là on voyait déjà 33 degrés, grand soleil, impeccable. Même si le trajet est encore long, certains n'ont plus qu'une seule chose en tête. Plus penser au travail, plus penser à l'école et juste profiter au bord de la piscine. Ceux qui sont déjà arrivés au bord de l'eau, comme ici à la Grande Motte, ont encore un peu l'esprit occupé. On attend les élections et puis on verra la suite. On reste à l'affût des informations quand même, c'est important, mais on arrive à déconnecter. Oui. Ce commerçant espère lancer pleinement la saison au plus vite. Les gens vont se lâcher parce qu'ils ne peuvent pas toujours vivre dans la morosité. Donc ils vont quand même apprécier les bords de mer et puis ce qu'on leur propose ici. Ils sont déjà nombreux ce soir à se laisser bercer par les vagues pour ces premiers jours de vacances.